notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Pendant cette saison pascale, nous avons une grande responsabilité d'annoncer l'évangile. Je vais dire à quelqu'un, tu es toujours préoccupé par les questions de mariage, les questions d'emploi. Écoute-moi bien, le Seigneur veut que tu te préoccupes d'abord d'annoncer la parole de Dieu. Il y a beaucoup de tes amis, beaucoup de tes parents qui ne connaissent pas Jésus. Annonce l'évangile et tu verras que le Seigneur va débloquer ta situation. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission des prières matinales. OSB, opération sur la brèche. Nous continuons notre étude sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec les psaumes 6e. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Nous allons lire les psaumes 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Jusqu'à quand? Quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce psaume 6e. La première vérité, c'est la situation de l'homme en détresse. Oui, peut-être que toi qui me suis, tu vis des moments de détresse. Voici ce qui caractérise un homme qui est en détresse. D'abord, il est sans force. Le verset 2 dit, Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Il est sans force. Et puis, le verset 3 dit, aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Deuxièmement, ses os sont tremblants. Vous voyez, toujours il dit, guéris-moi, car mes os sont tremblants. Peut-être que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu sens comme si tes os tremblaient. Troisième élément, l'âme est troublée. Il dit, mon âme est troublée. Il se sent épuisé à force de gémir. Il pleure pendant la nuit. Il fait des insomnies. Je vais parler à une dame. Ces derniers temps, tu fais des insomnies. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es concerné par ce psaume. Le Seigneur veut te visiter. Il dit, son visage est usé de chagrin et il vieillit. Oui, je vais parler à une jeune fille. Tu cherches le mariage. Regarde, tu n'as même pas 40 ans, mais tu ressembles à une vieille de plus de 50 ans. Qu'est-ce qui se passe à cause des soucis? Nous pouvons remarquer que David souffrait d'une maladie car il se sentait épuisé et ses os devenaient tremblants. Il faisait l'insomnie et ne pouvait dormir la nuit. Ce type de maladies sont dites des maladies psychosomatiques. Ce sont des maladies qui commencent au niveau de psyché ou de l'âme et elles se répercutent, elles se manifestent au niveau du corps ou du soma.
il y a plusieurs maladies dont nous souffrons qui sont des maladies psychosomatiques. Quand tu as les soucis, quand tu as l'angoisse, oui, ça affecte ton âme. Tu te sens mal à l'aise, tu te sens triste. Je parle à quelqu'un. Tu as souvent des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme. Oui, il y a un problème parce que tu gardes des soucis. Tu as connu beaucoup de déceptions et ça se manifeste au niveau des crises d'asthme. Il y a beaucoup de maladies, l'asthme, l'hypertension artérielle, la colopathie, les difficultés d'aller au sel, les diarrhées, qui sont classés parmi des maladies psychosomatiques parce que tu es affecté dans la vie. Tu as été beaucoup déçu. Je vais parler à une jeune fille. Oui, tu comptais sur un garçon qui a promis même de t'épouser et le garçon t'a laissé. Il est parti en Europe. Mais pourquoi tu t'es fait des soucis? Le Seigneur peut encore te donner un mari car ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, tu commences à souffrir des problèmes gastriques. L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la volonté. Certaines maladies, donc, se déclenchent dans la vie lorsqu'on a perdu un être cher, lorsqu'on a perdu son emploi. Il est possible que nous souffrions des blessures intérieures. Peut-être que c'est ton cas. Il y a un jeune garçon, tu ne connais pas ton père, tu demandes souvent à ta mère qui est ton père et tu en souffres. Mais laisse-moi te dire qu'en Jésus, tu retrouves ta dignité. Deuxième vérité, il y a la prière pendant la détresse. Quand tu vis des moments de détresse, tu te sens angoissé, tu te sens désespéré comme David, tu dois apprendre à prier. Comment il faut prier pendant la détresse? Ce psaume 6e nous apprend 4 éléments importants. Premier élément, il faut implorer la miséricorde divine. David dit, ne me punis pas, ne me châtie pas. Ceci suppose que David était conscient qu'il avait offensé Dieu. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons d'abord nous poser la question de savoir si ces difficultés que nous traversons ne constituent pas un châtiment de Dieu à cause de nos péchés. Ce psaume ne précise pas les circonstances qui ont prévalu à la rédaction. Mais le fait que David demande à Dieu de ne pas le châtier nous permet d'affirmer qu'il aurait commis un péché. Je vais dire à une femme, depuis que tu avais trompé ton mari, tu as un problème de santé. Tu gardes des secrets, va voir ton pasteur. Et si tu es ici à Abidjan, tu peux venir me voir, je vais prier pour toi. Tu ne seras pas guéri tant que tu n'auras pas confessé publiquement ce péché-là. Deuxièmement, nous devons demander à Dieu de nous guérir. La Bible dit que c'est Dieu qui guérit les cœurs brisés. Ésaïe 61:1. C'est lui qui guérit toutes nos maladies. Il faut donc demander à Dieu de te guérir. C'est vrai, tu peux aller voir les médecins. Les médecins soignent, mais la guérison véritable vient de Dieu. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Troisièmement, pendant la détresse, nous devons demander à Dieu de nous sauver et de nous délivrer. Dieu nous sauve en nous délivrant du danger. Dans le cas de David, il sentait la mort venir dans sa vie. Il est vrai que chacun de nous mourra, mais il est possible que certains meurent de manière prématurée à cause de leurs péchés. Oui, je veux dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu vis dans la débauche, tu es un jeune garçon, tu fais entrer plusieurs femmes dans ta vie. Le Seigneur risque de te châtier et même l'argent que Dieu te donne, tu finis dans les filles. Le Seigneur risque de bloquer les sources. Tu n'arrives même pas à donner tes offrandes, tes dîmes, mais tu donnes l'argent aux jeunes filles pour coucher avec. L'apôtre Paul dit que ceux qui prennent la Sainte Cène à la légère peuvent devenir infirmes et d'autres peuvent connaître la mort prématurée. Vous voyez, la mort prématurée peut être un châtiment de Dieu pour ceux qui ne veulent pas se repentir. Vous pouvez lire ça dans 1 Corinthiens 11, 29 à 30. Quatrième prière que nous devons faire dans la détresse, nous devons avoir l'assurance de l'exaucement de nos prières et demander à nos ennemis de s'éloigner de nous. Jacques dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La prière que David a adressée à Dieu est une prière dite de supplication. Il dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes, l'Éternel exauce mes supplications, au verset 9 et 10. Troisième vérité que nous enseigne ce psaume 6, la prière a des résultats. Quand nous prions, nous implorons la grâce de Dieu, la prière agit négativement dans les camps de nos ennemis. Écoutez ce qu'il dit au verset
10. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Vous voyez? Premièrement, nos ennemis sont confondus et saisis d'épouvante. Je vais dire à une sœur, écoute-moi bien. Si tu te repens de tes péchés, oui, il y a des puissances sataniques qui ont dominé sur toi. Si tu te repens, tu implores le Seigneur. Non seulement que Dieu va te délivrer, mais tes ennemis seront dans la confusion. Deuxièmement, tes ennemis vont reculer. Lorsque tu te réconcilies avec Dieu, tes ennemis vont reculer. Et puis tes ennemis seront couverts de honte. Si tu connais Jésus, Jésus ne fait pas t'abandonner. Il ne va pas te délaisser. Quand le Seigneur va te restaurer, le Seigneur va te délivrer, tes ennemis seront couverts de honte. Oh, que le nom du Seigneur soit béni pour tous ces enseignements qu'il nous donne. Il nous aime d'un amour incommensurable. C'est pourquoi nous allons le louer. Nous allons chanter ce cantique. La source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu déposes tes richesses dans mes mains. Et contre moi, des diables s'élèvent en vain. Des trésors tant cherchés par les humains. Mais pas ailleurs. Et tu les consens, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin. Le vrai bonheur ne se trouve que sur ton chemin, pas ailleurs qu'entre tes mains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalisent. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Ta clarté est une lame qui éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. L'âme qui pleure ne recourt qu'à toi. Car tu relèves les pauvres par la foi. C'est par toi que le tout s'accomplit. Que ton bonheur, mon cœur est rempli. Témoin fidèle, Jésus-Christ, mon idéal. Et vrai soutien sur la terre des humains. Tu es ma richesse, la source de mes grâces. Mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui se réalise. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. Tu es ma richesse, la source de mes grâces, mon chant d'allégresse, Jésus, tu es ma tendresse. Tu fais des promesses qui
qui se réalise. Tu es ma sagesse, tu es toute mon espérance. 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 Mon bouclier, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Ma forteresse, c'est toi Jésus. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es toute mon espérance. Oh Jésus. Oh Jésus, mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute mon espérance. Tu es toute. Alléluia. Béni soit ton nom, notre Dieu. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Merci de nous avoir gardés tout au long de cette nuit. Tu as pris soin de nous. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Tu es le Dieu non seulement qui nous pardonne nos péchés, mais tu es le Dieu qui guérit également toutes nos maladies. Tu t'appelles Jéhovah Rapha. Reçois la gloire. Tu combats ceux qui nous combattent et tu sèmes la confusion dans les camps de nos ennemis. Béni sois-tu, toi qui nous as suscité un puissant sauveur Jésus, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance, la louange. Peuple de Dieu, continuons à élever ce Dieu-là. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, Révérend Docteur Dieudonné Ngoumbi, qui vous salue et qui vous souhaite très nombreux à l'écoute des OSB. Si c'est pour vous la première fois de découvrir OSB, ne gardez pas OSB pour vous-même. Et si vous avez un témoignage des bienfaits de OSB, vous pouvez nous écrire par WhatsApp ou nous envoyer un vocal. Pour la gloire du Seigneur. Mais partagez surtout OSB avec des amis, avec des parents, avec des connaissances. Nous produisons cette émission sur YouTube. Chaque 5 heures temps universel, vous pouvez suivre OSB et vous pouvez même chatter, écrire quelque chose, donner vos sujets de prière. Chaque 5 heures temps universel et vous pouvez réécouter ou partager avec d'autres personnes. Nous poursuivons notre étude sur les psaumes. Oui, j'aimerais vous dire que nous avons écrit une série Priez avec les psaumes et vous pouvez approfondir votre vie de prière si vous procurez ce livre que nous avons dans nos bureaux. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 6e. Voici quelques sujets de prière. Nous allons demander pardon à Dieu et implorer sa miséricorde lorsque nous nous rendons compte que nous souffrons à cause de nos péchés. Si tu te rends compte que tu vis un blocage, tu vis un problème de santé, qui est dû à un manquement, tu vas te repentir sincèrement pour que le Seigneur te pardonne tes péchés et qu'il te guérisse au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force.
Amen. Nous allons recommander nos soucis entre les mains du Seigneur et demandons-lui de nous guérir de nos maladies. Peut-être que tu souffres des insomnies, épuisements, des migraines, des colopathies, tu as des démangeaisons. Tu vas implorer, tu vas déposer tous ces soucis qui t'accablent. Oui, tu vas déposer cela au bas de la croix de Jésus. Il veut te restaurer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous libérer de tout esprit de mort précoce. Peut-être que ces derniers temps, tu sens comme s'il y a des voix qui te parlent. Tu commences à faire souvent des songes de personnes décédées. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un esprit de mort. Tu vas prier. Jésus a vaincu la mort. Tu vas prier pour chasser l'esprit de mort. Et tu vas demander au Seigneur de te libérer des liens de la mort. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu miséricordieux. Tu es le Dieu compatissant et juste. Tu es lent à la colère, riche en bonté. Éternel mon Dieu, je reconnais mes péchés devant toi. Je reconnais mes égarements. Pardonne-moi, Seigneur. Regarde, je suis sans force. Regarde, je suis épuisé. Tu me sondes et tu me connais. Je viens déposer au bas de ta croix, Jésus, mes fardeaux, mes soucis, mes déceptions, mes angoisses. Seigneur, j'implore ton secours. Viens à mon secours. Délivre-moi de mes soucis, de mes angoisses, de mes agitations. Au nom de Jésus, je vais être libéré de tout souci. Je vais être libéré de l'angoisse. Je vais être libéré des chaînes de la mort, des liens de la mort. Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de mort de s'éloigner de ma vie. Au nom de Jésus, je commande à tout esprit de mort de s'éloigner de ma maison,
de ma chambre, de ma voiture, de ma maison, de mon bureau, au nom de Jésus. Je proclame la libération par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui envoie la confusion dans les camps de mes ennemis. Tu es le Dieu qui fait reculer mes ennemis. Qu'aujourd'hui, mes ennemis reculent, qu'ils chancellent et qu'ils tombent dans le nom de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire. Continue à faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Tu sens l'angoisse ces derniers temps. Depuis quelques semaines, tu sens même le désir de partir. Tu as même eu des sentiments, des pensées de suicide. Où que tu sois, parce que tu vis des déceptions. Tu as perdu ton emploi. Tu as perdu même un être cher. Tu as perdu même, il y a quelqu'un qui était ton ami, qui t'a laissé, qui t'a abandonné. J'aimerais te dire que Jésus ne t'a pas abandonné. Oui, c'est une situation difficile que tu vis. Mais confie-toi en Jésus. Je prie pour toi, afin que l'esprit de suicide te quitte au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas fini d'agir dans ta vie. Il a dit, il te donne cette promesse. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Après ce moment difficile que tu vis, le Seigneur va te relever et tu verras la manifestation de sa gloire, de sa fidélité. Toi qui as abandonné, tu ne pars plus à l'église. Ça fait plus de 2 semaines, 3 semaines, tu ne vas plus à l'église. Non, tu commets une erreur. Va à l'église. Reprends ton chemin de l'église. Reprends le chemin de l'église. Reprends le ministère que tu faisais. Et tu verras que le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va te réhabiliter. Au nom de Jésus, je prie pour toi, là où tu es, que la puissance de Dieu puisse te toucher maintenant et que tu sois libéré des chaînes de ténèbres, des chaînes d'angoisse, des chaînes de maladie, des liens de la mort. Au nom de Jésus, tu es comme enveloppé par quelque chose qu'on a jeté sur toi, qui ne te permet plus, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à lire la Bible. Je déclare ta délivrance aujourd'hui, maintenant même, au nom de Jésus. Je déclare ta délivrance maintenant même, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré et commence à proclamer que tu es libre, au nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, c'est chaque jeudi que je reçois à partir de 15h. Mais prenez rendez-vous avec le secrétariat dont les numéros sont affichés sur YouTube. Oui, pour ceux qui aimeraient se procurer des livres, nous avons encore des livres en promotion, les kits prier avec les psaumes. Nous avons prié prophétique OSB 2024, sans oublier le nouveau kit Vaincre ton Goliath, les faux prophètes et notre nouvelle identité en Jésus-Christ à 5000. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. La joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.